Chers frères et sœurs, bonsoir une fois de plus. C'est nous-mêmes qui allons écrire l'histoire de Samuel Eto'o. Vous-même, regardez, ça c'était aujourd'hui là, aujourd'hui ce 11 là. Voilà ce qui se produit dès qu'il entre ses mains quelque part. Je voudrais seulement rappeler aux uns et aux autres. Je voudrais seulement rappeler aux uns et aux autres, à tous les Hibou, que c'est vous qui avez publicité Samuel Eto'o. Hein. Quand Samuel Eto'o laisse le football, il vient lui s'asseoir au pays, il est lui tranquille. Hein. Il est seulement l'élu du monde. Ça veut dire que tout le monde respecte Samuel Eto'o. Et tout. C'est vous qui avez plébiscité Samuel Eto'o. C'est-à-dire que Samuel Eto'o s'est dit, bon, je vais donner mon expérience au football camerounais. Vraiment, tout ce que j'ai décrit quand j'étais footballeur, on ne m'a pas permis de faire. Dieu a au moins l'opportunité de le faire. Le simple fait qu'il est venu, il l'a fait. Vous avez réveillé le démon. Mais en fait, ce n'est pas le démon. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prévu. Il était déjà dans, je veux dire quoi, dans les plans de Dieu. Il était dans les plans de Dieu. Et j'aimerais, je me pose bien la question, quand je vous ai fait la vidéo de ce matin, quand vous voyez que les deux personnalités dans ce pays qui ont bénéficié de l'onction de toutes les communautés et des pouvoirs de toutes les communautés, c'est Samuel Eto'o et Paul Biya. Vous ne voyez pas une certaine coïncidence? Samuel Eto'o avait dit que non, je ne veux pas postuler pour être président de la République. Il avait dit. Mais est-ce qu'il va résister? Est-ce qu'il va résister? C'est le peuple qui t'appelle, mon frère. C'est le peuple qui t'appelle. C'est à Orange. Aujourd'hui, ce n'est pas, c'est ici en ville. Et tous les détracteurs, les talibous et tout ça, quand ils voient ça, ce genre d'image, ils se disent non. Non, ils implorent les hautes instructions de stopper l'élan de Samuel Eto'o. Mais c'est vous. Ils ne voulaient que servir son pays. C'est vous. C'est vous qui l'avez donné en grandeur, encore plus populaire au Cameroun, parce que popularité de Samuel Eto'o dans le monde, ça ne veut plus la décrier. C'est vous qui l'avez encore rendu plus populaire. Assumez. Mais est-ce que c'est fait, est-ce que c'était fait à dessein? Ou bien c'est le plan de Dieu qui a été mis en route. Le gars dit qu'il ne veut pas, il veut seulement gérer le football. Vous dites non. Vous-même, vous le plébiscitez. Acceptez ce que Dieu, vous ne pouvez pas combattre le vent. Et vous ne pouvez pas combattre le plan de Dieu. Ce gars a tous les atouts. Ce gars est celui que, je dis que toutes les prédictions, et je veux dire quoi, tout ce qu'on racontait, on grandissait avec le troisième président. Il sera, il a toutes les qualités. Et aujourd'hui, c'est lui qui répond à ce que les Africains veulent et attendent. Comme les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, c'est encore Samuel Eto'o. C'est lui qui est capable de dire non. Qui est capable de regarder les Macron, les Trump, les Biden comme ça aux yeux. Il a dit, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je sauvegarde les intérêts de mon pays et de ma nation, le Cameroun. C'est lui. C'est celui-là. Acceptez le karma. Bonsoir, Daris Campion. C'est bien moi.